Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur Catch Collector. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session rétro gaming avec WWE Survivor Series sur Game Boy Advance. Et ça y est, c'est parti pour WWE Survivor Series sur Game Boy Advance. Alors c'est un jeu qui était édité par THQ. Il est sorti le 12 octobre 2004. Bon, clairement, on n'est pas sur, sur un gameplay digne des plus grandes consoles, on reste sur une console portable. Donc bon, les graphismes sont à la hauteur, mais pour les années 2000, et surtout sur une Game Boy Advance. Allez, c'est parti. Alors, on va partir sur un combat par équipe. Alors voilà, il y a un mode story, donc c'est l'équivalent du mode carrière. Hop, on va partir en exhibition. Alors oui, vous avez vu, là il y a quand même tournoi, Royal Rumble, Team Battle, c'est quand même assez varié. One match. Et voilà, ici on peut choisir, donc oui, vous avez en match solo, match par équipe, match en cage, triple threat, fatal 4-way, elimination. Handicap ou Lumberjack, match des bûcherons, ça c'est sympa aussi. On va partir sur un tag. Donc là c'est par tombée, match hardcore, soumission, ou par-dessus la troisième corde, ou custom. On va partir sur le tombé, l'arène, Raw, SmackDown, Royal Rumble, Survivor Series, SummerSlam, Tournament ou WrestleMania. Bon, on va partir sur Survivor Series hein, pour rester dans le thème. Et c'est parti. Là, hop, voilà. Alors, pardon. Donc là, il y a 16 catcheurs. 16 catcheurs, donc voilà, on va aller tous les voir. The Undertaker, Kane, Rey Mysterio, Rob Van Damme, Eddie Guerrero, Chris Jericho, Chavo, Chris Benoit, Kurt Angle, Christian, John Cena, Shawn Michaels, Edge, Booker T, Triple H et Randy Orton. Donc c'est un peu toutes les top stars de cette époque. Allez, on va partir pour voilà, l'équipe Brother of Destruction, et puis contre un Rey Mysterio, et puis tiens, Eddie Guerrero. Voilà. Ça y est, c'est parti. Let's go. Et on avait déjà les petites entrées comme ça. C'est assez drôle. Je vous laisse les entrées, pour que vous puissiez entendre ça. Entrée d'Eddie Guerrero. Bon, bien sûr, c'est les anciens thèmes, hein, thème des années 2000. On reconnaîtra bien l'Undertaker et Kane sans problème. Il ne reste plus que le Undertaker. Moi je trouve ça quand même assez sympa pour une console portable dans les années 2000, c'était assez novateur pour l'époque. Et c'est parti. Ouais, bon, vous voyez, c'est quand même assez compliqué à prendre en main. Moi je pense que c'est qu'une question d'habitude. Voilà. Bon, clairement, c'est pas... Enfin, pour ceux qui se plaignent de 2K20, bon bah là, franchement, il y aurait de quoi se plaindre parce que... Franchement, même au niveau de la différence de taille entre les catcheurs, enfin, Rey Mysterio aussi grand que l'Undertaker, le balade comme je ne sais quoi. Enfin bon, pour l'époque, c'était vachement bien. Et ça rappelle... Des bons moments passés devant la Game Boy Advance. Le jeu n'était pas facile à trouver en France. Je me souviens que on ne le trouvait pas dans tous les magasins. Il fallait vraiment avoir de la chance pour tomber dessus. Et là, je me fais balader là. Et
vais essayer de lui mettre un petit problème. Ah bah non, tu ne veux pas. Bon, décidément. Ah mais Rey Mysterio est super fort, hein, c'est fou. Ils l'ont popé là dans le... dans le games. Oh, le surpassement. Bon bah si je peux jouer un jour ce serait pas mal. Ah cette fois-ci c'est la bonne. Eh ben non. Je sens bien que je vais manger le finish. Ah enfin. Allez c'est parti, on se laisse pas abattre. Bon bah si quand même. Oh là là, c'est pas possible. Bon, on va sortir un peu du ring pour que vous voyez comment ça, ça fonctionne un peu les graphismes. Bon allez, on passe à autre chose. C'est parti. Je vous montre un petit peu le mode carrière. Le mode carrière qui est assez intéressant. Assez bien fait. Nouveau jeu. Allez, salut Vince. Tu vas me demander si je veux aller à SmackDown. Allez, Raw. On choisit qui on veut incarner. C'est Benoît. Voilà, et on commence par les try-out. Donc ça c'est une bonne... c'est quand même une bonne technique pour pouvoir bien assimiler le jeu au départ. Bon sinon le jeu étant quand même assez simple, hein. De toute manière on n'a pas beaucoup de touches. Donc pour les coups simples, c'est des simples appuis, puis c'est des combinaisons de touches pour les prises et pour les finishers. Allez c'est parti. Allez on commence avec un DDT. Hop là, allez viens là. Un Jericho. Il avait encore ses longs cheveux à cette époque. Bon voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là cette fois-ci c'était un rétro gaming sur Game Boy Advance. Je pense qu'on changera de plateforme la prochaine fois. Dites-moi s'il y a un jeu que vous avez envie de revoir, un ancien jeu de cash qui vous a plu ou qui vous intrigue. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner afin de ne rien rater. A bientôt !